Bonjour et bienvenue pour ce numéro 3 de Salle Causeur. Vous connaissez la formule, deux causeurs, un invité, et Elodie qui vous présente l'équipe. Bonjour Tom et bonjour à tous. Aujourd'hui parmi nos causeurs, on aura Aurélie, rédactrice pour The Girly Geek et Small Things. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et nous avons Yann qui est blogueur. Bonjour Yann. Bonjour. Et aujourd'hui, notre invité sera Adrien qui est rédacteur pour l'Internaute. Bonjour Adrien. Bonjour. Salut. Et pour ce numéro, nous allons parler remake et c'est Yann qui vous briefe. Alors, est-ce que le remake est un gros mot? Où commence l'adaptation? Où s'arrête le copier-coller? Aujourd'hui, on lui préfère plutôt son cousin, le reboot. Dallas nous revenait par exemple augmenté d'une nouvelle génération, mais JR, Sue Ellen et Bobby reprenaient leur rôle. Remake aime ainsi tisser des liens avec la série dont il s'inspire. 90210 et Melrose Place faisaient également revivre certains personnages. Mais avant tout, le remake connaît bien ses classiques. Il s'est emparé de titres marquants pour les moderniser, avec plus ou moins de succès. V nous revenait ainsi avec des extraterrestres plus inquiétants. Les drôles de dames modernes n'étaient vraiment pas à la hauteur. Battlestar Galactica devint épique. Remake s'est aussi déniché de bons filons. Il a su repérer toute la vivacité de la production british pour la piller avidement. House of Cards est devenu le fer de lance de Netflix. The Office devint un phénomène grâce à Steve Carell et compagnie. That's what she said. Skins et sa jeunesse à fleur de peau passent à la trappe. Et plus proche de nous, Grace Point va jusqu'à recycler le même acteur. Alors Adrien, qu'est-ce que tu retiens de ce brief? Parce qu'il y a un remake, par exemple, citons Grace Point, qui est un copier-coller de Broadchurch. Est-ce que pour toi, ça valait le coup de faire un remake? Ça valait le coup, dans l'absolu, de faire un remake américain, mais sans l'acteur principal, en fait. Parce que utiliser David Tennant, une nouvelle fois, je sais pas pourquoi il a accepté en fait, de revenir dans Grace Point, enfin de faire Grace Point. Parce que Broadchurch, je trouve que ça suffisait très bien, avec sa touche anglaise, son accent à couper au couteau, moi je trouve ça très bien. Voilà, on était vraiment plongé dans l'Angleterre. Et là, donc, on enlève l'accent, on a la même enquête, je change juste la flic, sa collègue, qui est jouée par. Comment ? Anagon, c'est ça, qui joue dans Breaking Bad. Donc j'ai vu le pilote de Grace Point, j'ai trouvé ça plutôt honnête, hein, c'est très bien filmé, enfin voilà, pour la Fox, plutôt très honnête. Après, ceux qui ont vu Broadchurch ne seront pas surpris du tout. Il n'y a pas voilà, un apport énorme par rapport à Broadchurch. Donc, Yann, c'était utile de faire les remakes? Moi, je pense que c'était pas du tout utile. C'est vraiment pareil. Les acteurs sont pas aussi... Surtout les seconds rôles, en fait. C'est-à-dire que dans Grace Point, on a trois rôles principaux qui sont à la hauteur. Bon, Tennant, bon, et... Toujours à peu près dans le même registre, forcément. Anagon, et puis j'aime bien aussi. J'ai oublié son nom. Nick Nolte. Ah, quand même. Ouais. Qui est un bon second rôle. Mais sinon, les autres second rôles, je pense notamment à la famille de la victime, sont pas du tout à la hauteur des acteurs anglais qui faisaient l'original, je pense. Alors, qu'est-ce qui est venu dans la tête des producteurs de vouloir faire un remake? Plan pour plan d'une série qui était quand même assez bonne pour le Royaume-Uni, alors pourquoi faire une version US? Surtout avec les mêmes acteurs. Enfin, ouais, le même acteur. C'est un peu leur fond de commerce, les États-Unis, de reprendre des séries, de le faire à leur sauce. Mais est-ce que c'est pas contre-productif justement de vouloir prendre le même acteur? Bah, je pense qu'ils essaient de trouver un autre public aussi, celui qui n'a pas vu Broadchurch, forcément, voilà. Moi j'ai vu que le remake, bon. Après, ça m'a pas convaincu parce que l'acteur principal, je l'apprécie pas beaucoup, donc forcément c'est compliqué. Mais moi, je pense que justement, c'est pas justement une série UK, même si elle marche bien, si les États-Unis la refont, font un remake de cette série, je pense que justement ça se télescopera pas. Enfin, ça va pas. Pourquoi n'ont-ils pas simplement diffusé la version UK? Je sais pas s'ils l'ont fait. Je crois qu'elle est passée. Elle a dû passer peut-être sur BBC America, peut-être. Peut-être que le propos. Enfin, je sais qu'ils vont changer a priori la fin. C'est ce qu'ils ont annoncé, ouais. Parce que la fin UK est trop. Est pas assez américaine ou. Alors là, j'en ai aucune idée. Peut-être. Bon, c'est là tout justement. C'est peut-être pour justifier le remake pour eux. Mais après, je pense que l'histoire va suivre. Voilà. Alors, j'ai pas vu la saison entière. Mais vu comment ça part, il y a toutes les chances que ça poursuive sur le même chemin. Après, ouais, je pense que c'est peut-être juste une justification, parce que les Américains aiment bien avoir leur petite touche perso, donc ils sont fiers de leur série.
Après, utiliser Tenant, moi je trouve que c'est vraiment le défaut en fait de la série. Parce que quitte à faire un remake, on tire jusqu'au bout et on change tous les acteurs. Ouais. Attends, tu voulais justement récupérer les fans de la série d'origine. Oui. En récupérant le même acteur qui était plutôt apprécié, je pense, pour Broadchurch. Oui. Et puis lui en plus, il est dans sa zone de confort. Voilà. Il dit je reprends le même rôle, je suis à l'aise dedans. Pourquoi pas. Il y a un paramètre. C'est la facilité. Il y a un paramètre de durée aussi, puisque la série anglaise fait 8 épisodes, je crois. Et là, celle de la Fox va en faire 10. Mmh. Donc ça va leur permettre aussi de se démarquer en cours de, dès la première saison, finalement. Et au niveau, justement, remake UK-US, est-ce que on prend l'exemple de The Office, qui n'a pas eu non plus une durée de vie énorme en Angleterre, 3 saisons et quelques specials, je crois. Mmh. Et la série US, qui est carrément devenue un phénomène... Avec 7 saisons, 8 saisons 9 saisons. 9 saisons, déjà. Avec 7 avec Steve Carell, oui, qui est parti, qui a eu la bonne idée de partir, parce que c'est vrai qu'au bout de 7 saisons. Là, on est quand même dans deux humours différents, l'humour anglais, l'humour américain, et la version US qui est quand même, qui est devenue génialissime. Enfin, pour moi, je suis un grand fan. Mais... Bah, ils sont partis sur autre chose, en fait. Oui. Voilà. Parce que la toute première saison des deux sont quasiment les mêmes. Enfin, c'est l'humour bien noir, un peu justement avec Steve Carell et... Ricky Gervais, qui est vachement cynique et débile. Mais d'ailleurs, la première saison est vraiment très différente dans l'humour aussi en US. Oui. On sent que la première saison qui fait 8 saisons, qui fait 6 épisodes version US, un humour très très différent par rapport à tout le reste de la série. On voit vraiment une césure au niveau de l'humour et même du personnage de Steve Carell, qui a, je crois, 10 kilos de plus, qui est super dégarni dans la saison 1, alors que dans la saison 2, il est comme ça, avec un beau brushing. Puis un beau costume, voilà. C'est-à-dire qu'il est en chemise dans la première, je crois qu'il est juste... Est-ce que, pour toi, ça veut dire qu'il fallait adapter au public américain? Je pense déjà, et ils se sont dit que, vu que la série anglaise n'avait pas forcément fonctionné, enfin, pas forcément fonctionné, c'est pas ça, mais c'est qu'elle n'a pas duré, ils se sont dit, il faut qu'on parte sur autre chose. Ils ont eu la bonne idée, justement, de partir sur autre chose, un autre humour. Et qui a cartonné après, donc ils ont dit on a Steve Carell dans l'équipe, il faut forcément qu'on l'utilise à bon escient, et ils sont partis dans un humour absurde, avec en développant les personnages qu'ils avaient, voilà, et c'était l'idée géniale des créateurs de The Office, et je trouve qu'ils ont ensuite même poussé après avec Parks and Recreation, c'est un peu la suite, voilà, de The Office pour moi. Mais, vrai faux spin-off. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Donc avec l'exemple de The Office, est-ce qu'on peut dire que les remakes peuvent dépasser les séries originales? Avec The Office, oui. Avec The Office, c'est sûr. Avec d'autres Le remake français de The Office, c'était quand même bon. Eh oui, avec Berléand, qui était excellent. C'était très très bon. Humour canal. Ouais, c'était très bon. C'était très bon. Bon, après, voilà, les Français, pour faire les saisons 2, après, ils ont un peu de mal. C'est un autre débat. Y a-t-il eu d'autres remakes qui ont surpassé l'original pour toi? Il y a Battlestar Galactica. Qui était vraiment, voilà, bon, j'ai vu très peu d'épisodes de l'original, mais je sais que voilà, ils sont partis aussi sur totalement autre chose avec leur traitement de la politique, de la religion, même de la science-fiction, voilà, enfin c'était vraiment vraiment quelque chose de novateur à l'époque. Après, il y en a beaucoup qui aiment pas la série parce que je trouve ça un peu trop cheap. Et peut-être un peu trop... Pourtant, il y a les moyens maintenant, enfin, par rapport à l'original. Quand on le regarde encore aujourd'hui, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et les batailles sont quand même toujours aussi épiques, et ils ont trouvé voilà, un bon compromis voilà, entre les scènes en intérieur, qui sont quand même trois quarts de l'épisode, et derrière, voilà, la petite partie toujours de combat dans l'espace. Et, non, là-dessus, Battlestar, c'était vraiment une série très très bon remake, pour moi. Et il y a des remakes qui, au contraire, ont été un gros flop et étaient loin d'atteindre le niveau de l'original. Au niveau des audiences, on a les Charlie's Angels. Je pense que tout le monde a oublié le casting. Je crois qu'elle a été annulée au bout de quelques épisodes. Voilà, c'est ça, Knight Rider. Ah oui. Mais aussi Wonder Woman qui a jamais été diffusée. Parce qu'en fait, il y avait pas... une bonne équipe derrière. Ouais, c'est vrai. David Ekeley, je crois, qui avait écrit. Ouais, c'était, ouais. Ils n'ont même pas osé diffuser le pilote, hein, parce que c'est pour eux, c'était pas assez bon. Donc il y en a qui se cassent la figure, mais après... Melrose Place aussi. Ah oula, on va parler de la CW. Donc, ils sont attaqués à un gros monument de la génération d'avant. Et... Bah, comme 90210, qui au contraire, plutôt bien réussi. Ouais, donc ils auraient pu... Melrose Place aurait pu marcher. Mais en fait, c'est un remake, mais c'est surtout une suite. Enfin, c'est comme Dallas, ils reprennent des personnages un peu... Est-ce que c'est utile d'avoir repris des personnages alors que la génération a vieilli, quoi. Ça, la génération ça des aide. Beverly Hills, maintenant, ça en fait, on va regarder. Dans 90210, par exemple, on voit qu'ils les ont pris pour quelques épisodes au début et puis ils sont vite partis, tous les anciens. Et comme on disait avant, ça aide à
a aussi ramené le public bah, de la série originale. Comme ça, par curiosité, ils viennent voir et si ça leur plaît. Et c'est vrai qu'effectivement, pour lancer le truc, ils ont ramené des personnages pour quelques épisodes, mais sinon, finalement, la série, elle fonctionnait par elle-même, quoi. C'est ça. J'ai l'impression, en tout cas. Mais est-ce que le ton était le même ou est-ce qu'il y a une modernité quand même ou pas? Ils l'ont vraiment. Bon, après, c'est. Bah, encore une fois, il n'y a plus le look des années 80. C'est The CW et forcément, ils l'ont vraiment mis en teen. C'est vraiment un teen show. Ouais, c'est avec beaucoup de drama, des histoires improbables. Mais le Melrose Place, ils avaient quand même essayé de baser la série sur un meurtre avec. Voilà, il fallait trouver un peu qui, tout le long de la saison, qui avait tué. Et c'était peut-être ça leur erreur finalement, d'avoir trouvé un fil rouge pour toute une saison. Avec peut-être des enquêtes, des trucs comme ça, et on développe les histoires des personnages, alors que 90-210, ça partait de tous les côtés. Hein. Tout le monde avait son histoire et. Tout le monde couchait avec tout le monde. C'est, ouais, c'était un petit choc, voilà. Et ça a bien duré quand même, ça dure 5 saisons, je crois. Oui, au moins 5, quoi. Ce qui est quand même pas mal pour un remake, quoi, déjà. Mm. Bon, après, c'est la CW, donc ils sont contentés du million de spectateurs, mais. Est-ce que tu veux vraiment partir sur ce chemin-là? Bah, écoute, c'était peut-être le million unième à regarder, mais. Non, mais. Enfin voilà, est-ce que remaker déjà les deux séries, Beverly Hills et Melrose Place, c'était utile? Bah, c'était des gros gros monuments des années 90, ça faisait des super audiences, ça marchait super bien, donc ils se sont c'était dit peut-être. Tentant. Franchement, c'est tellement tentant, tu dis un monument comme ça, si on arrive à faire un remake, c'est le jackpot. Bon, bah. Pourquoi la CW est pas une grosse chaîne? Parce que c'était peut-être parce pas assez intéressant. Non, c'était vraiment parce qu'ils ont basé ça sur des histoires d'adolescents. Les filles étaient jolies, mais après. Oui, non, oui, non, mais ça, c'est déjà les acteurs sont beaux, comme généralement dans la CW, et puis en même temps, ils ont pris une base. C'est le résumé de la chaîne, c'est pas mal. Non, mais ils ont pris une base de c'est dire on va mettre des adolescents dans un lycée, enfin en tout cas pour 90-70. C'était ça, c'était des adolescents qui étaient dans un lycée de Beverly Hills, et alors pour Melrose Place, au contraire, bon, c'était pareil, c'était toujours dans la même résidence. Enfin, c'est dommage parce que Melrose Place, quand même, j'avais bien aimé le fait qu'ils gardent cette ambiance de c'est des gens qui habitent dans le même immeuble, donc ils font leur vie et en même temps ils se retrouvent et tout. Mais Beverly, c'était aussi au lycée à l'époque. Hein, ouais. Ils ont repris la même chose. Dans 90-210, il y avait un point de départ, c'est-à-dire le frère et une sœur qui viennent qui d'un milieu. Du Kansas. Hein. Ouais, voilà. Le petit cliché, le cow-boy qui débarque. Et lui qui avait été adopté parce qu'il était noir dans une famille de blancs à Beverly Hills. Dans le remake? Ouais. Mais sur les années 90, ça m'étonnerait qu'on m'étonnerait. Oui. C'est vrai. Et justement, on parlait donc de monuments de la télé des années 90. On parle de House of Cards qui est un remake. Mmh. Est-ce que. Tu connaissais la première série? Non, j'ai connu House of Cards comme tout le monde, enfin j'imagine comme tout le monde, par comment Netflix, enfin la série Netflix de Fincher, et je savais pas du tout, je l'ai appris très récemment que House of Cards était un remake d'une série des 95, c'est ça à peu près, ouais, série anglaise, et après voilà, ça n'a pas empêché d'apprécier la série en tant que telle. Est-ce qu'il faut une durée? Entre le remake et la série originale ou pas? Oui, je pense qu'il faut une certaine durée quand même. Même si ça se raccourcit de plus en plus, j'ai l'impression que ce soit à la télé ou au ciné, ils sont toujours un. Toi, Spider-Man, enfin je pars un peu sur le ciné, mais c'est quand même assez. Et donc, je pense qu'il faut au moins entre 5 et 10 ans facile pour remake une série. Parce que sinon c'est. Je dirais même ouais, 10 ans minimum pour moi. Ouais. Mm. Mais il parle déjà de remake Lost. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Même le. C'est, bah, c'est pas un remake déjà de Lost. et donc moi ça me fait halluciner parce que Lost voilà, ça s'est terminé il y a 4 ans. Et il parle déjà d'en faire. Bah, Broadchurch, on peut parler. Bah, Broadchurch c'est un peu une mini-série, c'est pas vraiment. Là, c'est. À la base, je pense qu'ils partaient sur un one-shot avec Broadchurch, mais ça a cartonné, donc là ils partent sur une saison 2. Mais c'est encore autre chose que Lost, c'était vraiment prévu pour être une chaîne. En plus, moi j'ai l'impression qu'il y a deux types de. Enfin, il y en a deux, après il doit y en avoir 3 ou 4, mais t'as deux types de remakes. T'as le remake d'une série qui va. Bah, comme Broadchurch qui a trop bien marché, ils se sont dit vite, faut qu'on se mette tout de suite sur le filon. Et après, t'as le remake Nostalgie. Et ça, forcément, il faut 10 ans. Ils se disent, ouais. On va surfer sur la nostalgie des gens et on va retenter le coup, quoi. Il y a un exemple intéressant aussi, c'est The Killing, parce que finalement, on part d'un remake qui est une adaptation dans un autre contexte, les éléments sont repris, mais la durée, plein d'éléments en fait vont le différencier, et là, c'est la transposition dans un autre pays qui fait que c'est intéressant aussi.
Est-ce que ça peut cohabiter une version US, une version UK pour les séries ou pas du tout? UK ou d'autres pays d'ailleurs, parce que oui, d'autres pays, c'est hein. pas. Bah, d'autres pays, Homeland, qui était. Avec Atou Film. Voilà, c'est ça, qui était un énorme succès, et Homeland, c'est un énorme succès aussi, ça continue. Je sais moins bien, mais ça continue. Donc, ça, voilà, pour l'autre pays. UK, Skins, ça n'a pas marché, ils sont tentés. Skins, pourtant, ils avaient essayé de se différencier, à mettre d'autres histoires, ils n'ont pas repris oui, vraiment la version UK. Pourquoi mais... ça n'a pas marché? Je pense que c'est le casting, moi, qui. Le casting qui déconne. Parce qu'on était vraiment habitués au casting. Il y a eu un problème avec. Le positionnement ouais, de la censure. Oui, oui, c'était sur MTV, on avait des bips à chaque fuck, ouais, ça c'était déjà bizarre. Les acteurs avaient moins de 18 ans et c'était mal vu aux États-Unis. Ah ouais, ouais. Donc les publicitaires se sont retirés, la chaîne a pas suivi. C'était diffusé sur MTV, c'est MTV, ça MTV, ouais. Ouais. Alors que bah, quand on voit déjà la version anglaise qui est quand même assez trash, qui va quand même assez loin, on se dit est-ce que les États-Unis pouvaient aller aussi loin sur une chaîne comme MTV quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même créateur de la série qui a repris en main la version américaine. Donc, il a quand même essayé de reproduire les mêmes directions. Maintenant, je pense que la version anglaise avait quand même un intérêt sur les acteurs. Les acteurs étaient bons, surtout le garçon, j'ai plus son nom en tête. Mais... Nicolas Hoult. Ouais, voilà. était très bon, alors que son équivalent américain était fade en comparaison, en fait. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, Shameless quand même marche bien aux États-Unis et quand même assez trash. Enfin, je veux dire, c'est il n'y a pas de censure vraiment. Ils s'en sortent très bien en tant que version US. Bah, disons que tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu US. Et si ça dure, c'est que c'est qu'il y a eu le remake était bon quoi. Si, je sais pas si la censure était vraiment. Shameless, c'est plus intéressant dans la transposition, c'est-à-dire que. Ils ont vraiment fait une adaptation donc, d'un univers très anglais, ils ont fait un univers vraiment américain, banlieue de Chicago. Donc après c'est les mêmes choses, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes histoires, mais les deux séries existent, peuvent exister en même temps finalement. Il y a vraiment une adaptation à un autre contexte en fait. C'est ce que je reproche finalement pour revenir à Grace Point, c'est ce que je lui reproche, c'est que l'adaptation n'est pas justifiée, je trouve. On est vraiment dans le même contexte, dans le même endroit, et autant la version anglaise se justifie en soi. Est-ce que le remake de Tomorrow People était utile, Rani? Alors, je ne savais pas que. T'étais pas née. Je ne savais pas que c'était un remake. Moi, j'ai adoré cette série qui a été annulée trop tôt à mon goût. Mais du coup, je savais pas du tout que c'était un remake, tu vois. Comme quoi, les remakes, il y en a plus qu'on pense. Ça nous permet d'en découvrir aussi, comme ça. Ouais, non, c'est ça. Mais pour moi, elle était pas utile, hein, Tomorrow People. Désolée, Aurélie. Et bien, moi, c'était mon petit plaisir, mais bon, tant pis, hein, je fais mon deuil. Hein. Il faut bien. Est-ce que Doctor Who pourrait être remaké aux États-Unis? Une grosse question. Parce que ça reste aussi un monument anglais et. Je sais pas comment il pourrait remaker Doctor Who. Il faudrait trouver un acteur, plusieurs même, justement, parce que si ça change, je sais pas. Béton, un compagnon béton aussi. Et puis, c'est un univers à part, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Pour moi, on pense Doctor Who, on pense Angleterre, on pense pas États-Unis. Et même si justement les épisodes où ils tournent aux États-Unis sont très très bons dans la saison 6, hein, où ils tournent à New York, ils tournent dans le désert, tout ça, donc c'était très sympa. Mais derrière. Ils peuvent tenter, hein. ils peuvent tenter quelque chose, mais il faut quelqu'un de très très bon derrière la caméra. Parce que... Et à part les Anglais, on sait que Modern Family est une adaptation de Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que c'est officiel? Adaptation officielle ou pas? Je sais pas si c'est officiel, je crois pas vraiment, mais c'est sorti un an après ou deux ans après. Fais pas ci, fais pas ça, et pour moi, tout le monde va s'accorder à dire que c'est quand même le remake américain de Fais pas ci, fais pas ça. Et Modern Family a eu la bonne idée de partir sur autre chose avec trois familles différentes, donc trois, à chaque fois trois histoires différentes par épisode en général. Et ils ont leur propre dynamique. Non, moi je voulais juste dire, est-ce qu'on peut parler pour 2 minutes, trop de remake, tue le remake, est-ce qu'on va parler de The Bridge ou pas? Ou c'est tabou, je sais pas. Parce que moi, j'hallucine, je comprends pas. Enfin, on va pas faire une version par pays non plus. Alors, moi, je trouve que sur The Bridge, il y a une bonne adaptation et une mauvaise. Parce qu'en fait, la version américaine, à un moment, il était question qu'ils la mettent sur la frontière américano-canadienne. Et là, c'est clair que ça aurait été vraiment proche de la version danoise.
Et en fait, ils l'ont déplacé sur la version américaine-mexicaine. Et du coup, il y a une vraie. Il y a une adaptation, en fait. Il y a un autre contexte, il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Pareil, il y a une différence de durée aussi qui est un peu plus longue sur la version américaine, elle fait 13 épisodes. Donc il y a quelques personnages secondaires supplémentaires, en fait, ça donne plus de profondeur. C'est intéressant. Par contre, la version franco-anglaise est vraiment proche de la scandinave, et là, l'intérêt est vraiment pas à justifier. Donc il y a toujours quand même une sorte d'adaptation au pays quand même de diffusion. Oui, oui, mais bon, à part que c'est dans un tunnel, c'est pas... Non, mais ils vont essayer de trouver toutes les frontières un peu touchy, je sais pas, après la prochaine. On n'a pas parlé d'un remake récent, mais The Flash, c'est un remake. Merci pour ce rappel, je suis passé The Flash. Non mais d'accord. Voilà, bah, pour finir, on va peut-être faire un petit tour de table. Alors pour vous, quelle série aimeriez-vous qu'elle soit remakée? Adrien? Peut-être passer à quelqu'un d'autre. Et on revient après, c'est toi. Aurélie? Alors moi, je vais parler surtout des remakes que je ne veux pas voir. C'est-à-dire, on ne touche pas à Charmed. Je suis désolée, hein. Ça, c'est peut-être très tentant parce que. T'as pas trouvé mieux que Alice et Milano, de toute façon. Mais non, mais pour moi, genre Buffy, Charmed, c'est des séries auxquelles faut pas toucher. À mon avis, ils vont tenter de le faire, forcément. Et sinon, en remake que j'aimerais bien voir, c'est vrai que dédicace à Alix, elle a lancé l'idée sur Dead Like Me. Et Dead Like Me, c'est vrai que c'était une série que j'aimais beaucoup et je serais curieuse de voir le remake. S'ils en font un jour. Et toi, Yann? Alors, moi, j'aimerais bien un remake de Angela 15 ans. C'est une série que j'aime beaucoup et qui n'a pas eu beaucoup de durée, en fait, qui a duré très peu de temps. Et ça sera un beau défi, mais c'est clair que c'est intéressant à faire, je pense. Sur la CW, évidemment. Non, pas sur la CW. Family, peut-être. Pas sur la CW. Désolé. Ah non, mais j'en veux pas non plus. Et toi, Tom? Je vais dire X-Files. C'est original. Mais non, parce que moi, ça, elle me manque. Donc voilà, on parle d'un remake. Bon, moi, j'adore la série. C'est vrai que pour un remake, ça ferait mal au cœur. Mais moi, c'est le genre de série qui me manque beaucoup. Donc X-Files. En reprenant les acteurs d'origine. Ça serait bien qu'ils fassent le pont, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, vu que le troisième film, on ne l'aura jamais, autant avoir un remake. Adrien, tu as eu le temps de réfléchir? C'est bon. Un remake que je ne veux pas, donc c'est Lost. C'est faut surtout pas y toucher. Et c'est trop récent pour moi. Enfin voilà, c'est toujours une bonne mythologie autour. Et un remake qui serait sympa, ce serait vraiment de retravailler par exemple une série comme Le Caméléon, qui je trouve était très très sympa à l'époque. Et j'ai pas envie de faire en plus. Y a pas, voilà, c'était un peu compliqué. Et je pense qu'on pourra trouver des idées à partir sur un truc sympa avec. D'accord. Ouais. Bah moi genre j'ai hâte de voir le remake des Revenants et de The Slap. Je sais pas ce que les États-Unis vont en faire, mais est-ce que c'est utile encore? Voilà, est-ce que c'est utile, ça je sais pas. À voir en tout cas ce que ça va donner. Et petite dédicace à notre parent qui n'est pas là aujourd'hui, mais on est tous tristes de l'animation de Dallas. Voilà, fallait le placer quand même pendant l'émission. Donc Eh bien, ce numéro est terminé. On remercie Aurélie et Yann d'avoir participé et Adrien d'avoir été notre invité. Merci. Et vous pouvez nous suivre avec le hashtag SerialCauseur. N'hésitez pas donc à commenter les vidéos et nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous laisse avec un petit mot de la fin. Au revoir, à bientôt. That's what she said. Ha! I don't get it. Grapes, seductive. All right, how about the Phyllis-Angela dispute? You already did me. That's what she said. But you know what, even if it didn't, at least we put this matter to bed. That's what she said. Or he said. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 3 de Serial Causeur. Vous connaissez la formule, deux causeurs, un invité, c'est Elodie qui va vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Tom. Donc aujourd'hui pour... je sais comment c'est finalement. C'est vrai que c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe. Bonjour Tom et bonjour à tous. Donc en effet aujourd'hui pour nous présenter... je sais pas quoi dire. Elodie va vous présenter l'équipe. Bonjour
Bonjour Tom et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour nos causeurs, on va avoir Aurélie, donc... C'est bon. C'est bon. Alors, pour que tu me contraires, tu n'aimerais voilà, pas... Voilà, moi je vais parler des remakes que je ne veux pas voir. On va reprendre après. Si on va le laisser. On va sur toi. Oui, oui. Et je laisse rentrer.